qui me passait d'ici. Ouais. Il me passait d'ici, c'est trop. Moi, je fuyais. Mais il a quoi? Il faut répéter. Tu veux faire quoi? Je suis en train de manger des glaces avec tes frères et sœurs, avec ta maman. Elles sont bonnes, les glaces qu'on a achetées. C'est trop bon. Coucou les musulmans. Moi, je mange la glace. Tu m'énerves. Je veux pas rire. Pourquoi tu me fais rire quand je pleure? Elles sont bonnes, les glaces. Ouais. Tu veux pas venir? Non, attends, j'ai oublié. Oui. Tu es puni. Tu as compris la leçon? Tu as compris pourquoi tu es puni? Oui, j'ai compris la leçon. Hein? Tu es sûr de ça? Tu as compris? Voyons voir. Non, je pense que tu dois réfléchir encore un peu dans ta chambre. Hey, je vais pas sortir celui-là. Je pense que je suis obligé de le couper. Hein. Je vais me servir de mon trou de balle comme un hachoir. Couper en deux, comme ça, ça sortira plus facilement. Non, c'est trop. Attends, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Le vrai match peut commencer. Ok. Inspire. Bloc. C'est les pires secondes de ma vie. C'est les pires secondes de ma vie. Mais... Ouais. 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 C'est enfin fini. Mon trou de balle. Yes. Voilà, je crois que je me suis fissuré. Jésus. Voilà, c'est trop dur. Avec ça, il y a des gens qui prennent ça pour faire autre chose, qui font rentrer des trucs dedans. Comment c'est possible, frère? Attends, je vais voir la taille. C'est pas du jeu. Je vais tirer la chasse. Wesh. Wesh. Je suis obligé de découper la merde. Ouais. Je suis grand. Yo frérot, mets pause s'il te plaît, il y a ma soeur qui est rentrée dans ma chambre là. Je reviens tout de suite. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien de grave, je voulais juste te dire que tu m'en manques. Oh, aussi. Et tu fais quoi là? Bah, je voulais juste venir chiller avec toi dans ta chambre. Oh, chiller? Attends, tu portes un legging? Oui, t'aimes bien? Oui. J'ai déjà dit de pas venir dans ma chambre comme ça, tu sais bien dans quel état ça me rend. Ah ouais? Ça te rend dans quel état? Bah, j'ai envie de le déchirer et te foudroyer. Mais attends. Avant tout ça, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on est, toi et moi? Pourquoi tu me poses des questions bêtes comme ça? On a parlé de ça la semaine dernière et tu m'as promis de pas tomber amoureuse. On est des frères et sœurs plus. C'est normal de faire ça, tout le monde fait ça. Ok, bah tu dois avoir raison. Ok, maintenant, baisse-moi ce legging. Ok. Wow. T'as fait des squats dernièrement? Parce que ton fiac, il est bien bombé, hein. Bah dis-lui bonjour. Ok, maintenant rentre dedans. Ok, j'y vais. Fait trop chaud. Non, j'ai allumé la clim, je m'en fous. Même problème. Wesh, attends, je vais éteindre la clim. C'est quoi ça? Seigneur Marie-Joseph. Y'a personne. C'est toi qui payes les électricités. Mais je vais pas allumer. Je vais pas allumer. Ouais. Tu crois que t'as vers ça ici? Question. Enlève-moi ton pull là. T'as pas dit t'as chaud? Je te renvoie à allumer là. C'est bon. Ça me comprend dans cette maison. Fait trop chaud. Non, j'ai allumé la clim, je m'en fous. Même problème. C'est dingue ce que la prof elle a fait. Incroyable. Elle est tarée cette meuf. Mais attends. Mais ça sent les ténèbres ici. Ouais. Je suis en train de chier là. Hey, c'est mieux, je lève mes pieds comme ça ils vont penser qu'il n'y a personne. Non, c'est une dinguerie, on doit savoir il y a qui dedans là. Ça doit être interdit de chier comme ça à l'école. Hein? Hey, gros, sors ici, on va te trouver. C'est Dinero. Mais il y a combien de
donc c'est là que tu es. C'est trop vrai, pourquoi vous mettez vos têtes? Parce que c'était trop, va falloir aller chez le médecin, Dinero. Là, j'ai juré, je vais dans le bureau de principal. J'ai juré, je vais dans le bureau. Ah, on est chiant. J'ai juré. Ça va, frérot? Ouais, ça va, et toi? On se fait une petite partie? Ah, excuse-moi, frérot. Attends, j'arrive. Ah, j'arrive. Ok, vas-y. Maman? Mon trou de balle recommence à couler encore. Daniel, qu'est-ce que je te dis la dernière fois? Quand tu fais tes affaires, tu dois mettre le lubrificato. Ouais. Sinon, voilà le résultat. Voilà, ça coule. C'est la dernière fois que je fais ça. Ok? Merci, maman. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? On s'amuse sans moi? Bah écoute, c'est ton fils qui a son cul qui coule encore. Ah, il coule? Il y a un célèbre dicton qui dit « Toute semence peut servir de lubrificante ». Mais papa, ça veut dire quoi? Je peux faire mieux, je peux te montrer. Ah ouais? Parce que moi, je pensais que ça voulait dire... Oh merde! J'ai déjà fini! J'aurais besoin d'un deuxième round. Allez, viens ici! Bro, désolé, j'ai des affaires de famille à régler. On se fait une partie après. Ça va? Ça va, tranquille. Oula, t'es un peu petit là. Maman, je suis sur ta taille. Non, je suis 1m82, wesh. De quoi tu parles? Pygmé là. T'es sûr que c'est pas toi qui a menti sur ta taille? Tu fais pas 1m63 toi? Toi, tu fais 1m63? Ouais. Pour tes quelles chaussures même? Bah, j'ai pas de chaussures. Je suis en chaussette. La honte. C'est ça un peu. Bref, tu peux enlever tes chaussures s'il te plaît, chez moi on rentre pas avec les chaussures. Il faut enlever? Ouais, je vais me faire cramer là. Et c'est pas que j'ai porté ma paire qui a la semelle la plus balèze pour attraper ma taille. Wouah, c'est une crie là. Wouah, oh, la crie. Je suis dans l'étage en haut là. Non, je veux pas de quoi tu fais. Si, mais t'es encore plus petit là. Eh, Dinero, je t'entends, lui, il veut trouver des phrases compliquées. Il trouve des phrases simples, non? Rigole pas. Tranquille. Respire, laisse ça sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de mon handicap? Jamais je serai, frère. Jamais. Ok, ouais, du coup... C'est quoi ça? Fou ici, ça y est. Ne me dis. Il m'a vu. J'espère qu'il va pas venir à côté de moi. Wesh. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire même? Eh, faut plus que nos regards se croisent, hein, parce que sinon il va venir, c'est sûr. Les gégada. C'est une dinguerie, le mec est complètement atteint. Vite, j'arrive à mon arrêt là. Ouais. Il sort quoi là? La lubrificante. Ok, là on a affaire à un détraqué. Même si le prochain arrêt c'est pas mon arrêt, je descends. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un malade. Il va utiliser ça sur qui? Ouais. Il t'a répondu? C'est mon arrêt là, je me casse.